parce que... Que la République est là pour vous accompagner, pour vous faire savoir que vous ne devez jamais marcher la tête basse, n'oubliez jamais de marcher la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes tous dans ce que vous êtes, dans votre unicité, dans votre singularité, porteur des valeurs de la France, des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité et de fraternité. Vous aurez toujours le soutien de la République. Vous l'avez aujourd'hui, vous l'aurez tous les jours. Et pour finir, la République est symbolisée par Marianne. Marianne peut prendre beaucoup de forme, beaucoup d'identité. Et aujourd'hui, Françoise, Marianne, c'est toi qui l'as incarnée. Merci. 18 juin. Il y a 76 ans, le général de Gaulle avait appelé à la résistance et je trouve que cette date symbolique est importante et je pense que nous devons résister. Résister contre l'homophobie, bien sûr, mais résister aussi contre toutes les violences et contre toutes les haines et donc, mener ce combat et moi je serai toujours à côté de vous. Bonjour à tous, c'est difficile d'intervenir après mais c'est pas grave. Simplement, moi je suis ici par solidarité avec mes amis de la communauté gay. Je suis aussi ici parce que je suis effectivement une citoyenne française, une élue du peuple français, que je suis très fière d'être dans un pays, dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a voté le mariage pour tous. Donc je suis très fière d'appartenir à ce pays et de défendre aujourd'hui avec l'écharpe de mer qui est autour de moi eh bien, ces valeurs qui font notre quotidien et que nous partageons tous aujourd'hui. Que nous partageons ensemble aussi aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va prendre le chemin de la marche des fiertés. Merci.
Mais également aussi à ceux qui éprouvent un mépris en général sur l'homosexualité. On s'est posé beaucoup de questions, alors on s'est dit comment pourrions-nous rendre hommage le meilleur possible aux victimes qui sont probablement de lâchement, car à vous, elles vont être plus sur l'amour. Comment aussi rendre hommage à toutes les personnes LGBT dans le monde qui sont frappées, injuriées, maltraitées, condamnées, voire même tuées, tout ça pour certains, l'homosexualité et les causes LGBT sont pour eux une abomination. Nous avons beaucoup réfléchi avec notre association, et plutôt que de faire des blablas, on est uniquement nous retenir, quoi de mieux répondre à la haine par l'amour. Nous devons ensemble répondre à ces actes barbares en faisant passer un message d'amour par un acte concret, un geste symbolique et fort.